Selon les médias d'État irakien, les troupes fédérales sont entrées dans les territoires occupés, contrôlés par les Kurdes. Cette action intervient 3 ans après la prise de contrôle par les milices kurdes des zones hors de leur région autonome pour se défendre contre les militants du groupe État islamique. La chaîne de télévision Al-Irakia a déclaré que les troupes fédérales ont pris le contrôle de certaines zones situées autour de la ville riche en pétrole de Kirkouk et ont avancé sans tirer un seul coup de feu. La manœuvre intervient 3 semaines après que les Kurdes ont voté pour l'indépendance lors d'un référendum controversé. Les autorités irakiennes annoncent que le vote organisé par l'autorité du Kurdistan autonome du pays était inconstitutionnel. Par ailleurs, un commandant de la police locale kurde affirme que les Kurdes contrôlent les puits de pétrole de la province de Kirkouk.